Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'attaquer au jour 19 du Advent of Code 2022. Donc dans ce 19e jour, ce qu'on va devoir faire, c'est encore de l'optimisation un peu sous contrainte, c'est-à-dire qu'on va avoir 4 types de ressources, les minerais, l'argile, l'obsidiane et les géodes. L'objectif, c'est d'avoir le plus de géodes possible, sachant qu'on peut utiliser ces ressources pour construire des robots. Ça nous prend une minute de construire un robot, et après, les robots, ils récoltent une ressource par minute. Donc voilà, donc c'est un résumé rapide. On va faire assez vite parce que je dois partir dans 45 minutes. Donc on va essayer de faire la partie 1 en 45 minutes et on va voir comment ça fonctionne. Donc on ne perd pas de temps. Cargo Tommel. Hop, on a un petit challenge. Puis si j'ai pas fini, bah tant pis, je mettrai en pause peut-être. Alors, 18, jour 18, jour 18. J'ai une idée à peu près de comment. C'est jour 19, je dis n'importe quoi. J'ai une petite idée de comment faire. Je pense que je vais faire ma stratégie habituelle, c'est-à-dire essayer de faire un Dijkstra-like pour résoudre le problème. Je pense qu'il y a peut-être une solution sans doute une plus intelligente, mais bon, en tout cas, voilà. Donc là, c'est 33 qu'il faut qu'on obtienne. Part 1. Et qu'on lui passe. Alors là, ça va être un petit peu plus compliqué parce qu'il faut qu'on lui passe ça. Mais... mais c'est sur une seule ligne dans notre exemple à nous. Enfin, dans l'input, c'est. Ils sont tous sur une seule ligne. Donc, on va hop, retravailler un peu le truc comme ça. Hop, je peux zoomer un petit peu, refermer ça. Pop, hop. Voilà. Ok, donc on va voir cet input là. On va créer notre fonction part1 qui nous renvoie uSize. Ok, ça nous renvoie 0. Donc l'idée c'est de parser ces deux recettes, donc ces blueprints c'est des recettes. Donc pour construire les robots, on a ça diffère un peu en mode en nombre de ressources. Et savoir laquelle, enfin combien de jets on peut avoir le max avec celle-là ou avec celle-là. Du coup, on va directement parser pour chaque blueprint et puis après faire le calcul pour chaque blueprint. Donc on va faire for line in input.trim.lines.map. line.trim. Ok, donc une fois qu'on a une line propre, dans ce cas là on va pouvoir la split par ça. On va faire let id 1 tail est égal à line.split once par ça. Ouais, je pense que c'est bon. Tac, tac, tac. Point unwrap. On essaie de ne pas perdre de temps sur le parsing, vu qu'on connaît déjà. On va faire let id est égal à id.strip prefix blueprint espace. Point unwrap. Je vais appeler ça id. On va relancer Rosnizer. Je sais pas s'il a planté ou pas. Ok. Point parse. Point unwrap. Ok. Donc là, on a normalement notre id. Ensuite, on va avoir notre taille, on va la split, on va faire let mute sentences est égal à tail.split par point espace par exemple, je pense. On va split juste par word, par on va voir word.collect. Dans un, on va collecter ça dans un vec. Ok, et ensuite on va avoir une structure pour un blueprint avec un ID qui est un uSize, un orRobot qui est un uSize, je mets des uSize partout mais c'est pas grave, un clayRobot, clayRobot c'est uSize, alors on va faire cost or robot, cost clay robot. On va avoir un cost obsidian robot in or uSize. Et là, ça va être in clay. Et la même chose pour cost
Geode robot in or et in obsidian. Obsidian. Ok. Et ensuite, on aura or usize clay usize obsidian usize geode usize. Et qu'est-ce qu'on aura d'autre? On aura or robots. J'aurais pu faire juste comme ça. Ça sera plus rapide. Hop. Voilà, donc là on a notre style complet. Ensuite, du coup, tac tac tac. Donc on a nos words, on va les collect. Et ensuite on va pouvoir directement créer notre blueprint. Donc let blueprint est égal à blueprint. On doit mettre tout ça. Alors à la fin, hop, tout ça. 2.0. L'ID, ça va être juste ID. D'ailleurs, hors robot, on commence avec un seul hors robot. Et ensuite, pour démarrer le truc. Et ensuite, ça, on doit tous les récupérer depuis les mots. Donc là, ça va faire... J'ai splitté tout ça par des mots. Donc ça va être 0, 1, 2, 3, 4. Donc là, ça va être... word de quelque chose. .parse.unwrap. Donc là, ça va être le quatrième mot. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Ok. Donc là, ça devrait être bon et on peut faire un DBG de blueprint pour vérifier qu'on n'a pas un truc trop bête. Il faut qu'on derive debug. Et je vais faire un clone aussi parce qu'on en aura besoin plus tard. Ok, donc là, si je fais un cargo test bin 19, on fail, mais on affiche bien un autre de trucs. Donc 4, 2, 3, 14, 2, 7. 4, 2, 3, 14, 2, 7 et 2, 3, 3, 8. 2, 3, 3, 8, 3, 12. Ok, donc ça c'est bon. Ensuite, on va faire peut-être un test sur... non, je peux faire un test sur un seul blueprint. Il n'y a pas besoin d'avoir un mutsi, si je ne voulais pas faire comme ça à la base. Ok, donc maintenant qu'on a notre blueprint, on va pouvoir faire notre récursivité. Donc on va avoir un compute qui va nous renvoyer un usize. Alors c'est pas vraiment un blueprint ça, parce qu'il n'y a que ça qui est le blueprint. Et j'ai peut-être d'ailleurs séparé le blueprint du state. On va avoir une structure state. Qui est ça. Ça nous permet de cloner quand on clonera, parce que le blueprint, je pense pas qu'on ait besoin de le cloner, on peut l'enlever d'ailleurs. Je pense qu'on n'aura jamais besoin de cloner le blueprint, parce que c'est quelque chose d'immutable, c'est juste bah, comme nos éléments. Donc compute, ça va prendre un blueprint, qui sera un blueprint. Ça va prendre un state, qui est un state. Ça va prendre un max, qui est un usize. Et c'est tout. En state, on a la minute aussi. Minute 0 par défaut, je pense. Je sais pas si on commence à 0 ou 1 pour les minutes. Minute 1. On commence peut-être à 1. Ok. Donc là, on va faire de la récursivité. Donc on va essayer de trouver le truc le plus... le plus logique. En fait, on va faire comme d'habitude en Dijkstra, c'est qu'on a deux formules à trouver. La première, c'est trouver une heuristique pas trop bête pour trouver un chemin qui est pas mauvais. Et le deuxième, c'est trouver une formule qui nous donne un calcul théorique sur combien on peut faire au maximum. Le chemin pas trop bête, ça nous permet d'avoir rapidement un max qui est pas trop mauvais. Et le chemin théorique le plus proche de la vérité, ça nous permet d'éliminer des arbres, des computations qu'on n'aurait pas besoin de faire. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va dire, on va déjà voir tout ce qu'on peut faire dans ce state-là.
Donc déjà, on a la minute 1. Qu'est-ce qu'on va faire à la minute 1? Donc durant la minute qu'on est, on peut construire quelque chose, mais du coup, on va pas avoir ce robot va pas agir pendant cette minute-là, il va agir que la minute d'après. Donc pendant la minute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà incrémenter. On va faire state.or plus égal state.or robots. Et ça, on va le faire pour toutes les ressources. Ok, donc là on va incrémenter nos trucs. Mais avant ça, on a. Ouais, avant ça, il faut qu'on choisisse si on peut construire un robot ou pas. Donc en fait, si on peut construire un robot géode, on va construire un robot géode. On va faire if. Alors déjà, on va faire une condition d'arrêt de notre récursivité, c'est-à-dire que si la minute if state.minute est égale à. Est-ce que la 24e minute, on collecte? Ouais, donc c'est au début de la 25e en fait. If state.minute est égal à 25, dans ce cas-là, on return state.geode, parce que c'est ce qu'on veut. Ok. Donc là, c'est notre condition d'arrêt. Ensuite, si on a assez pour construire un geode robot, on construit un geode robot. Comment on peut construire un geode robot? Il faut qu'on ait assez d'obsidienne et assez d'or. Donc if state point state point obsidian est supérieur ou égal à state point cost geode robot in obsidian, je sais pas pourquoi j'ai pas d'autocomplétion. Pourquoi il aime pas ça? No fill cost in state. Ah oui, non, c'est pas dans State, c'est dans Blueprint. Donc si j'ai assez pour construire à ça, et que state.or est supérieur ou égal à blueprint.cost geode robot in or, dans ce cas-là, je construis un geode robot. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire. Alors le problème, c'est que. C'est que j'ai tous ces states-là, il faut pas que j'incrémente. Ce robot-là, il va pas être utilisé tout de suite. Ce robot-là, il va pas être utilisé tout de suite. Non, je pense qu'il faut que je collecte les ressources avant. Il faut que je le fasse avant, mais après. Enfin, après cette condition-là, mais avant de pouvoir continuer mon algo. Donc, ça qui est un peu compliqué. Il y a un truc où ils se croisent. Peut-être devoir sauvegarder les éléments. Let can create geode robot. C'est ça. Et ça. Donc si je peux créer un geode robot. Ok. Donc si je peux créer un geode robot, je fais ça. Si je peux créer un. Donc là, ça sera pas geode, ça va être. Obsidian robot. In clay. Et là, c'est clay. Create clay. Hop, j'ai changé ça sans faire exprès. Donc, cost clay robot in. Bah, j'ai pas. Là, pour créer un. Et can create a or robot. Ok. Du coup, alors que je suis un peu plus intelligent que ça quand même. Pour pas griller tout, parce que là sinon il va toujours créer des or robots et il aura jamais assez d'or pour créer autre chose. Donc il faut que je dise que si je peux. Parce que je peux aussi ne rien faire. Et il faut que je décide de quand est-ce que je peux ne rien faire.
Je sens que je vais pas avoir fini en 35 minutes qui me reste. Il faut que je puisse avoir assez de ressources. Je pense que créer des hors-robots, c'est pas une bonne solution. Il vaut mieux attendre que créer un hors-robot. Pour pouvoir créer un clay robot plus tard et ensuite avoir des clés pour pouvoir créer des obsidian robots, etc. Mais je sais pas comment lui dire que c'est la solution la moins, je pense, la moins efficace. En fait, je peux juste le faire à un wait. Donc, si je peux créer un geode robot, ce que je fais, c'est que je fais let new state égale state.clone. New state. Obsidian robot plus égale 1. Il faut que j'enlève les ressources aussi. Donc, obsidian robot, ça te coûte. Non, c'est quoi? C'est Geode Robot. Donc on rajoute un Geode Robot. Si on peut créer un Geode Robot, on rajoute un Geode Robot. Et on fait un Obsidian moins égal Blueprint Cost of Geode Robot in Obsidian. Et on fait la même chose pour l'or. Ok. Ensuite... on va faire let max est égal à let new max est égal à ça. Let new max est égal à ça. Donc là, on va avoir un let mut max est égal à 0. Donc ils sont tous meilleurs. compute blueprint new state max. En fait, non, il n'y a pas besoin de ça parce que j'en ai un max qui arrive ici. Je pense que je peux réutiliser celui-là. Max. Donc ça me donne la nouvelle valeur. Et if new max est supérieur à max, max égale à new max. Et ici, on renvoie max. Je pense. Ok, on fait la même chose avec can create a obsidian robot. Cost obsidian robot in, donc là ça va être clay. Ok, ensuite on va faire la même chose avec les clay robots. Donc là c'est, on va dire, mon chemin pas trop bête. Il faut que j'ai un chemin pas trop bête dans l'ordre dans lequel je fais mes computations pour avoir un truc pas trop mal. Donc là il n'y a pas besoin d'enlever or, on peut juste enlever clay robots plus égale 1. Ensuite on fait or est égal à moins cost de clay robot in or. Ok, ensuite on va faire le compute pour let new state est égal à state.clone. Donc là je vais juste attendre, c'est à dire ne rien faire et juste collecter des ressources. Et ensuite, je fais le créer un hors robot. C'est ce qu'on explorera en dernier. Ok. Ensuite, il faut que j'incrémente les minutes aussi. Donc là, on va faire, ici, là où on fait state tag, on fait state.minute plus égale 1. On va aussi avoir plein de problèmes de plus, de plus égale machin. Ok, donc là, c'est une solution pas trop bête, normalement. Mais on explore quand même toutes les possibilités. Donc si je fais... ça nous renvoie à 0. Donc c'est bizarre que ça nous renvoie à 0. Parce que ici j'ai pas fait compute. The compute blueprint state. Le max ça va être 0 par défaut. Donc let max. Non, bah ça va être la somme du coup. Let mut sum est égal à 0. Donc là ça va faire dbg. Blueprint ID max sum plus égal max et on retourne sum. Ok.
Et donc là, on tourne pendant longtemps. On peut essayer en release. Je sais même pas si on arrive à faire un blueprint rapidement. On peut quand même checker ça dans. On va checker ça dans le run. Histoire d'être sûr que. Enfin, dans le run, oui. Dans le main. Cargo, on va enlever la release. Hop. Le run, tac. Et moi, ce que je veux faire, c'est. Je fais un println quelque part qui me explique un peu où est-ce que j'en suis. New max is new max. Ok, sachant que le max est 9, je pense qu'on est pas trop mal. Blueprint ID. Ouais, toujours sur le truc, mais new max égale 1. 9, c'est pas trop mal, ça veut dire qu'on n'est pas. On arrive à faire quelque chose de pas trop mal. On arrive à obtenir 9 déjà, donc ce qui est pas bête. Ensuite, ce que je voudrais faire, c'est. Ce que je voudrais faire, c'est faire un système pour cut une partie des éléments. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ici. Il nous reste un certain nombre de minutes. Et en fait, pour savoir le maximum théorique qu'on peut avoir, ce qu'on va faire, c'est qu'on va. On va parcourir les minutes restantes. On va partir de state.minute vers 25. For i in ça. Et pour chacune des minutes, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'incrémenter. On va essayer d'incrémenter notre state. On va quand même clone le state. On va faire ça. On va dire que chaque minute, on peut créer un clay robot. L'idée, c'est de créer un géode robot si tu peux. En fait, on enlève tout l'or. Pour avoir notre théorique, on enlève l'or. Comme ça, ce sera forcément plus meilleur que si on devait gérer l'or. Mais du coup, ça nous permet d'avoir seulement 3 éléments. Et c'est assez facile. On crée un géode robot quand on a des obsidianes. On crée un géode robot quand on a la clay. Et on crée un clay quand on n'a rien d'autre. Ok, donc là ça va être new state. If new state.obsidian est supérieur à blueprint.cost obsidian geode robot in obsidian. Donc dans ce cas-là, on fait on va faire ça. Geode robot plus 1. Else if. Donc si on a assez de clay, on va créer un obsidian robot. Cost obsidian. Else. On va créer un clay robot. Ok, let mute new state. Ok. On va appeler ça theory state. Ok, et ensuite on incrémente. Et à la fin, on dit if theory state.geode est inférieur à max, return max. Hop, theory state, il faut que je mette tout. Donc voilà, on va parcourir le truc et on va voir ici. Et là, on va faire un skip. Theory state.geode max. Juste voir si on arrive à skipper des choses avec ça. Ok, on arrive à skipper des trucs. Donc on va voir si ça suffit pour nous optimiser les performances, si on enlève le print, parce que le print coûte vraiment très cher.
Et on a calculé le blueprint ID 1 très rapidement, 9, et le blueprint 2 avec 12. Alors il faut multiplier par le truc, donc je pense que c'est juste ça qui manque. By use paint blueprint 2, etc. En 24 minutes, is 12. L'autre, donc c'est bon, on a bien 12 et 9. Donc il faut juste qu'on multiplie, et c'est assez rapide. Je suis assez surpris. Donc l'idée ici, c'est de faire sum plus égal max fois blueprint ID. Ça met quelques secondes quand même, on en a 30 à calculer, donc ça sera pas instantané, mais on n'est pas si mal. On n'est pas si mal, je pense. Ok, on va essayer l'input, je pense que ça va prendre un petit peu de temps l'input, parce qu'on n'a pas que deux blueprints à faire. Je vais remettre mon DBG quand même. println blueprint ID max is max. Comme ça, tac tac tac. Voilà, juste pour avoir un petit print quand même pour voir un peu où est-ce qu'on en est. Donc on en a 30 à faire, donc ça sera pas instantané, ça va prendre quelques minutes, mais sachant que je suis 25 minutes en avance sur mon planning, on va pas trop insister, je pense. On va avoir une solution qui est pas exceptionnelle et puis on verra sur la partie 2, on devra sans doute la revoir totalement parce que sans doute que ce sera plus coûteux encore en temps la partie 2. Du coup ici ce qu'on a à faire c'est println part 1 is part 1 de input. Hop, input, ça nous renvoie un static str. Ok. Donc là on a plus qu'à faire un cargo bin run 19. Oula, pourquoi il est beaucoup plus lent? Pourquoi il est beaucoup plus lent? C'est très étrange. C'est marrant qu'il soit beaucoup plus lent que... Parce que normalement les blueprints ils sont tous à peu près équivalents. Each robot cost 3 or. One max is 0. Ça me paraît normal parce que le premier c'est 19. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de zéros. Il y a beaucoup de zéros et il faut qu'on élimine les zéros. Parce que les zéros nous coûtent très cher. Parce que là, il faut 19, il faut 19 G obsidian pour avoir le truc. If theory state geode est inférieur à max, inférieur ou égal. Parce que si ma théorie est égale à 0, du coup, je peux le skip. Je pense que c'est là où j'ai l'erreur. Ok, voilà. 1659. Alors, est-ce que c'est le bon résultat? On va y avoir. Et oui, c'est le bon résultat, donc voilà pour cette première partie. Je suis assez content parce que ça a été assez rapide pour un algo qui n'était pas non plus évident. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à la partager autour de vous. Et puis moi, je vous donne rendez-vous très rapidement pour la suite de ce Advent of Code.